Ok, salut tout le monde. Alors, est-ce que cette caméra va vouloir rester où elle est? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Alors, nous on en est rendu là. Avec le mando. On va peut-être bosser sur sa ceinture un petit peu. Hein. Ceinture, je vais continuer à bosser sur ce brassard. La main. Et la cape, voilà le plan. Bien, alors on va essayer de retrouver aussi les images que j'avais trouvées l'autre jour. Ils étaient bien. Ça c'est plus clair, ok. Je note. Et ben on va commencer par quoi? Par la ceinture. Allons-y alors. Le marron un peu plus clair. Foutre du blanc un peu à l'écart là. Déjà on va démarrer avec ça. On va réduire ce truc. Voilà. Que je vois ce que je fais, mais en même temps faut que je vois ce que je fais. Non, reste là. Voilà, on est bien. Donc la ceinture, qui n'est pas la couleur que j'avais fait au départ. En fait, ça dépend des saisons, en fait. C'est ça le truc. C'est que selon les saisons, il n'a pas les mêmes couleurs. C'est un petit coquin, le Mandalorien. Quoi qu'il en soit, il faut que la ceinture soit plus foncée pour qu'elle se voit bien. Là-dessus, c'est Manu qui avait raison la dernière fois. On va se faire une couleur transition entre les deux. Je pense qu'aujourd'hui on va pas faire trop de NMM, on va faire le reste. Parce que le reste est à bosser aussi, bien sûr.
essayé de faire une espèce de pattern comme ça pour faire un peu texturé. C'est du... Ah, de l'ivoire qu'il me faudrait. Ouais. L'ivoire, ce serait pas mal. Ça me permettrait d'y voir. Oh, oh, je suis trop drôle. Bon, alors, un petit coup d'ivoire pour éclaircir un peu. Un peu, j'ai dit. Texturer un peu ça, faire la tranche peut-être. Séparer, c'est bien, un peu mieux séparer les éléments de la ceinture, c'est bien, je pense, hein, je pense, par rapport à ce que je vois sur ma photo de référence en tout cas.
Ok, on va faire la même chose pour la ceinture qu'il a autour de la taille. Alors, il va me falloir du gris aussi. Du gris, du gris, du gris. Bon, gris. Donc là, on est plus pour faire la couleur. Couleur métal, là-haut. Hop. Thank you.
cette boucle sèche un peu, on en tue après. Un peu là-dedans, voilà, ça c'est bien, c'est bien, ça c'est bien. Voilà une petite sacoche comme c'est mignon. C'est bien, il y a des trucs à prendre en trompe-l'œil, j'aime bien. Les petits plis là. Tac. On a même un petit bouton de pression qu'on n'a pas sur la sculpture, on va pouvoir le rajouter. C'est un peu ça que je kiffe en fait, c'est rajouter des trucs qu'il n'y a pas. J'aime bien cet exercice. Alors le petit bouton pression, on va se le faire en gris clair d'abord. Bien nerveux.
attendre que le noir sèche, parce que là, c'est pas gagné. Alors, on va mettre un petit peu de shine. Sur cette boucle. Oups là, c'est quoi ce poil là qui vient m'emmerder? Ça une petite pointe des trucs en métal. Donc,
partie là. Bon, ça m'agresse un peu cette musique. C'est oppressant un peu là, non? Alors, on va essayer de trouver une vue où on voit un peu mieux le truc qui se passe là. C'est assez bizarre ce truc-là. Ok, bon, on voit déjà un peu mieux ce qui se passe. On a un gris fait avec de l'ivoire là, fait. Quoi qu'il faut que je mette un petit peu de... verre. Ah oui, c'est mon verre qui est bouché. J'aime bien se boucher ce verre là, c'est un peu chiant. Voilà.
sort tout seul, bien sûr, mais... C'est un peu fin pour ce que je suis en train de faire. Peut-être pas aussi clair du coup, ou alors il faut que j'éclaircisse un peu l'armure au-dessus.
essaye de aussi un peu d'atténuer le bleu qui est très très voyant. Ah, c'est pas Manu qui va me contredire. Ok, alors, je voudrais bien pouvoir faire le reste de la ceinture. Il faudrait que je chope une autre photo où on voit mieux le reste de la ceinture. Là, c'est comme cette photo-là, par exemple, on va voir. Censé avoir des trucs argentés là. Et ben je vais me les créer si je les ai pas. On va faire un petit trompe-l'œil. Hein. Mieux s'il y a un peu plus de différentes couleurs et textures sur cette ceinture, ce serait un peu moins ennuyeux. Profite d'être dans les grilles pour revoir un peu mon brassard. Lui aussi, j'aimerais bien qu'il soit un peu moins ennuyeux, celui-là.
j'enlève l'idée du vaisseau parce que c'est trop. C'est trop le bazar derrière. Je me trouve quelque chose de plus simple.
Pourquoi ils se séparent? Ce pinceau est pas génial quand même. Derrière là-bas parce que je m'emmerde. Ok, alors. Des casques un peu crado quand même. Alors je reviens dessus, une C4. Donc le gant. On va se faire une couleur.
Alors, on respond du orange. Pour faire le bout des gants. Je vérifie. Marron dégueu, donc on va partir sur le marron. Donc en attendant que ça sèche, on va bosser sur ces petites lumières là. Sur cette plaque. Est-ce qu'elle sera sous la cape? On la verra pas, mais j'ai pas envie qu'on enlève la cape et qu'on dise ouais, t'as propos là.
que c'était que ce bruit. Ok, donc le marron est sec, on va pouvoir aller titiller du orange là-dessus. Alors. On va marronner un peu ce orange dans un premier temps. Pourquoi je fais ça à côté de mon gris, j'en sais rien. J'aime bien quand toutes les teintures sont mélangées. Ok, on va pouvoir passer un orange un petit peu plus visible.
faire un glaze une fois que ce sera sec en orange pour qu'il y ait moins de démarcation quand même entre l'orange et le marron orangé. Alors la cape, on avait dit qu'elle était un peu plus grise que ça.
c'est mieux ce gris. Un gris un peu vert. Ça change un peu et puis on se rapproche un peu plus de la couleur. Ok, bon ben là on est pas mal en tout cas pour le devant. Quelle heure, 11h. Bon, derrière il y a un petit peu de boulot, mais le devant est pas mal. J'ai des marques d'ongles ici et là, ça c'est chiant, hein. Dès que je pose mon doigt et que je l'enlève, ça m'arrache ma peinture, c'est débile. Je le vernisse au fur et à mesure ou quoi? Ce que je vais finir par faire, hein.
Ok, alors je vais laisser sécher ça. Je vais le vernir parce que je suis en train de l'abîmer au fur et à mesure que je le tripote. Donc j'ai cet effet là, il faut que je fasse le même de ce côté là. Et la façade, ah il faut que je pose le flingue quand même un peu parce que le flingue est un peu plat, n'est-ce pas? Un peu là, hop, voir un peu mieux ce qui se passe. Voilà, c'est vrai qu'avec un socle noir, bah lui ressort mieux dessus forcément. Le métal est bien mis en valeur avec les vêtements sombres. La boucle est pas mal. J'aime bien la petite sacoche qui est vachement bien mise en valeur avec les petits trompe-l'œil que j'ai mis. Ok, alors, je sais pas, je vais le laisser sécher. Et pendant ce temps-là, je vais bosser sur mon petit ogre. Poser là. Tac. Attends, je vais refaire le point. Donc, lui, j'en étais où? J'étais en train de bosser sur les ceintures hier soir. Sa peau qui pourrait être légèrement plus claire aussi. Tiens, on va bosser sur la boucle. Pas évident hein, de faire cette boucle. Qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur? Est-ce que là c'est petit quand même?
On pourrait avoir un peu de lumière qui tape dans ce coin là. Et après, juste une fine ligne. Ça rend pas non plus de ouf, hein.
Alors, il me semble que une base de rouge, une base rouge pour le plastron qu'il a sur le bide, parce que je vais faire un étendard orc. Donc on va faire une première couche. Essayer de faire du freehand avec un truc un peu badass, on va essayer. Alors, pendant que le plastron sèche, le Mandalorian, lui, il a eu le temps de sécher. On va lui mettre une deuxième, peut-être une deuxième couche là-dessus, parce que c'est pas mirobolant. Hein. Pourquoi ces pinceaux super durs, hein? On est sur une boucle là au niveau musique. Hein. Je fais pas gaffe depuis tout à l'heure, mais j'ai bien l'impression qu'on est sur une boucle.
Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième couche là-dessus, et après, on va... Dernier Mandalorian. Histoire que j'arrête de l'abîmer pour la suite. Et cet après-midi, on bosse sur le derrière. La cape. Ça fait bizarre d'avoir un bon gros plastron rouge là, mais ne vous inquiétez pas. Il va y avoir un truc de dessiner dessus. Ça va pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait se mettre sous les mains en attendant que ça sèche? On a ce petit gars que j'avais commencé à voir un peu ce qu'on allait faire avec. Il y a du côte de maille. Donc on est sur un petit brossage à sec. Ensuite, petit brossage à sec blanc là où on veut que ça... Merde, mon pinceau est parti dans l'eau. Ah shit. Brossage à sec quand le pinceau est mouillé, c'est un peu, c'est pas l'idéal. Voilà, un pinceau un peu éclaté. Lisez partout où on veut que ça brille un peu plus avec la lumière. Ça part un peu dans tous les sens hein, cet après-midi, ce matin.
quand ça, ce sera sec, je reviendrai avec du noir pour contraster un petit peu le dessous. Ok, allez, retourne là-haut, toi. Toi, vernis. Satiné. Ah, le problème, c'est que les vêtements brillent aussi, quoi. Je pense que quand je vais le vernir à la fin, il faudrait que le socle soit satiné. Bon, il y a encore du boulot derrière. Mais le devant est quasi terminé. J'aime bien la ceinture, même la boucle de ceinture, hein, elle est pas mal. J'ai grisé un peu là-haut. Histoire de casser un petit peu le bleu. Ok, bon, on va laisser ça comme ça pour ce matin. Moi, je vais poser ça là. Je vais fermer ça. Est-ce que je passe un petit coup sur lui, là, vite fait? Comment j'y suis? Ça mange pas de pain. Tant que ça pue, autant que ça pue pour quelque chose. Ok, messieurs, dames, je ne sais pas trop qui c'est qui est venu ce matin, mais moi, je vais aller préparer à manger. Pour être temps.
Non. Alors on va aller regarder qui c'est qui stream. Alors on a Carole. Ah, on a Carole qu'on n'a pas été voir depuis un petit moment. On a Jérémy BD. Qu'est-ce qu'il fait Jérémy BD en ce moment? Changera la vie. On va vous enfoncer dans le crâne. Ne le sont que voici. Ok, mes quatre amis, allons faire ce petit raid et moi je vous retrouve cet après-midi à 2h30 pour continuer le Mandalorien. Et puis le petit ogre en passant. Ce serait même terminé, ouais, ce Mandalorien, ce serait cool. Allez, à bientôt. Salut !